Hey! Fait que mon troisième unboxing de Kinder Surprise. Donc, trois de suite. Encore là avec ma caméra top qualité. J'ai toujours pas changé de caméra depuis 10 minutes. Et ma fameuse table top qualité qui est un panneau d'ordi. Donc, je vais déballer là. Là, ce shot là, m'a déballé là comme si je m'en colissais. Mais à date, j'ai juste gagné un tic et un char. Ben, tu sais, un char. J'ai pas vraiment gagné un char, ben, un char joué. Donc, j'y vais, je déballe ça. Ok. Bon. Je veux pas qu'il y ait des morceaux de chocolat qui tombent sur ma table parce que est comme poussiéreuse pas mal. Je ne tente pas de manger des bouts de, un bout de chocolat avec de la poussière. Donc il y a le chocolat. Je le mange d'un coup. Parce que c'est du bon chocolat. Donc, plus sec. Mais avec un peu d'eau, j'aurais dû m'en mettre dans le morceau de chocolat. Un peu d'eau. Donc, voilà. On y va. On ouvre ça. C'est bizarre parce que lui il fait pas tout ça. Mais tabarnak. 20$ resti. Mais dans les deux premiers unboxings, me disaient ils mettront jamais d'argent dans un Kinder Surprise. Ben voilà. Le premier Kinder Surprise que je trouve un hostie de 20$. C'est pas pire, là. C'est pas un faux, là. C'est un vrai 20$. Là. Bon, ok. Vu que je suis pas mal honnête, il y a eu comme un petit tour de passeport parce que je suis pas mal magicien, moi, c'est en site. Fait que pendant que je mangeais le chocolat, j'avais comme levé la cam de même. Puis j'ai changé l'œuf avec un autre œuf que j'avais mis 20$ dedans. Mais tu sais, vu que je suis pas crosseur, je vous le dis. Mais bon, ça aurait été pas payé qu'il y avait 20$ dedans. Mais c'est pas le cas. Fait que ça, c'est le vrai. À moins que ce soit un autre 20$, là, je me dis, calé, ça se dit. Je voulais faire une joke, pis paf, si, j'ai pas mis un 20$, mais non, regarde. Parce que c'est là que je viens d'avoir l'idée pour mettre un autre 20$ dans un autre Kinder. Mais bon. Alors, ok, bon, je vais baisser la cam. On voit l'argent que je vais gagner cette fois-là, mais. Ok, bon. Non, ce n'est pas de l'argent. Un petit bout d'orange, un petit bout de bleu. Oh boy! Un spring. À date, c'est. Le premier unboxing de Kinder, il y avait comme 3 morceaux, 2, ben 3. En même temps, tu calcules 4 avec l'élastique, sans calculer le papier. Le deuxième, il y avait 2 morceaux, puis celle-là, il y a encore 2 morceaux. Donc, j'imagine que ça va là. Oh, liste de marde. J'imagine que ça va là. Ok, il y a un sens. Donc, c'est un petit spring. C'est pas pire. C'est chill. Ben, c'est chill. C'est beau. Ça peut servir de chapeau aussi. Ok, voilà. Mon troisième unboxing de Kinder. Et ça, c'était les autres que j'aurais pu avoir. Fait qu'il y a une coupe de spring de différentes couleurs, différentes faces. Fait que c'est ça. Ah, en plus, ils te le disent comment faire pour le faire. Ben, comment faire. Ben, comment jouer avec.
Puis genre, tu pèses sa tête. On voit-tu bien? Il y a comme une flèche qui dit genre, si je pèse sa tête, il va descendre. Puis est-ce qu'il y a genre la... Puis quand je lâche mon doigt, ben il remonte. Ah, c'est pas fait. C'est le fun parce qu'ils mettent des images, sinon j'aurais pas compris que en pesant dessus, il avait descendu. Puis en lâchant mon doigt, il avait remonté. Mais bon, attendez pas. Oh shit! C'est pas fait finalement. Tu sais, maintenant tu gardes ton doigt, puis là tu le lâches. Il va faire des backflips. Ah là, c'est celui que je préfère. Admettons entre les trois de boxing, là, c'est mon préféré, parce que le tigre, c'était bof. Un seul là, il est pas peu. Parce qu'au début, il me disait, bon, tu pèses dessus, tu le lâches, mais tu gardes ton doigt dessus. Ok, bon. Faut que je pèse dessus, puis je recule mon doigt pour pas faire les backflips. Là, c'est pas ma souris qui tombe, c'est mon jouet. Donc, voilà mon troisième unboxing de Kinder Surprise. Que je n'ai pas gagné 20$ finalement. Peut-être qu'il y a du monde qui vont regarder la vidéo, ils vont avoir arrêté ou à 20$, mon dieu, calice. Moi, je m'en vais acheter des Kinder à soir. Donc, voilà, c'était mon troisième unboxing de Kinder Surprise qui... Et selon moi, c'est le meilleur Kinder que j'ai eu à soir. J'en ai juste déballé 3 par exemple. C'est sûr que entre le 20$ ou le petit jouet, j'aurais préféré avoir 20$. Mais ça reste pas pire. Disons que... Disons que ça aurait été préférable. Et si jamais vous travaillez pour Kinder Surprise, je vous encourage fortement à mettre des 20$, des 5$ dans vos Kinder. J'en ajouterai pas mal plus. Mais bon. C'est ça qui est ça. Fait que la vidéo s'arrête là. Est-ce que j'en fais un autre à soir? Je sais pas. Je regarde l'heure. Il est 6h47. Ben peut-être, je sais pas, j'ai encore une coupe, je pense, de Kinder. Tu sais, j'en ai encore une coupe, fait que si c'est pas à soir, j'en fais. Si c'est pas à soir que j'ai fait les autres Kinder, ça va être un autre soir. Ça peut être. Ça peut prendre une semaine, un mois, deux mois, je sais pas. Ça va dépendre de comment que je file. Donc. J'essaie de refermer le chose avec le jouet déjà composé, bien composé. Le jouet tout assemblé. Et c'est ça. Donc peut-être à soir j'en fais un autre, je sais pas. Parce que je vais arrêter de me répéter, ça finit là, ciao bye, j'espère que vous avez apprécié. Et malheureusement, non, je n'ai pas gagné 20$. Et c'est ça se termine là. Ok, à 8h44, j'arrête la vidéo. Fait qu'il reste un 3 secondes. Salut!